Eccomi qua come sempre ragazzi con voi. Dunque andiamo a tagliare piccoli pezzi così. Allora, molto difficile da trovare ragazzi, però vale la pena cercare Lo perché alla stesso fine Jenny. saranno molto contenti, si divertiranno. Dopo vi faccio vedere in voliera, ok? Salut les gars, comment ça va? J'espère que tout va bien et voilà, je suis ici. Avec vous. Comme toujours, aujourd'hui, on va chercher ensemble. Attends, comment s'appelle maintenant? J'ai oublié. Bella di notte. L'onagre. On va chercher l'onagre ensemble, les gars. Fait beaucoup froid, donc notre oiseau, il doit être toujours un petit peu actif. Il veut jouer. Et avec cette plante, il va avoir l'occasion Hey de guys, how are jouer. you? I hope everything's fine. So today, I'm gonna show you what I do to my birds in the winter. Guarda qua ragazzi, vedete qua, allora ragazzi qua mi soffermo un attimo perché è una cosa molto importante. Guardate questo esempio, ci sono delle feci sulla pianta. Questo che significa? Che non dobbiamo darlo, ok ragazzi? Non dobbiamo correre questo rischio e dovete controllare molto bene perché in queste feci ci può essere di tutto, ok? Voilà les gars, maintenant je vous donne un conseil très très important. Comme vous voyez des fientes sur la plante, que on a ici un exemple, il faut pas couper, il faut pas donner à notre oiseau. C'est une chose logique, bien sûr, mais je tiens à vous le dire parce qu'il faut toujours contrôler la plante. Ça arrive que tu le donnes à ton oiseau, après il tombe malade et c'est très normal parce que dans les fientes il y a toujours des infections, des virus, beaucoup d'autres choses. So guys, here I suggest you to check always the plant because as you can see here, we can give to our birds plants who are infected with excrement from wild birds. That's why I suggest you to check always the plant, okay? إخواني الكرام، مثل ما فهمتم، يجب عليكم أن تنظروا جيد هذه الأعشاب، لأنه مثل ما تروا الآن، يقدر هذه الأعشاب يكون عليها فضلات أو هذه الأشياء، وهذا يسبب في مرض طيورنا، وطبعاً نحن لا نريد هذه الأشياء. Voilà les gars, un autre conseil. Chaque fois que vous prenez les plantes, ils vont rester dans le fond beaucoup de grains, ok? Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends les grains, comme vous voyez ici, et je les jette dans la place où ce que je prends les plantes. Comme ça, l'année prochaine, on va avoir la possibilité d'avoir cette plante. Parce que si on ne fait pas ça, probablement, on ne va pas avoir la chance d'avoir des plantes assez pour nous, ok? Allora ragazzi, un piccolo consiglio, ogni volta che prendete le piante ovviamente nel fondo rimarranno i semi. Io li prendo come vedete qua e li butto, li getto proprio, li semino diciamo, voilà, nel posto dove ho trovato le piante, ok? Qua ragazzi, ecco voilà les gars, celui-là je l'ai ouvert pour vous. Vous devez contrôler toujours qu'il y a des graines. Voilà, ici je vous montre un petit grain, vous voyez ici. Les gars, c'est des grains sauvages. Les chardonnays, ils adorent ça. Ils vont passer un bon moment. Ils vont être toujours actifs. Et ça, c'est très important. Même pour les muscles qu'ils ont derrière la tête, voilà. Qua ragazzi abbiamo finito, vi faccio vedere la scorpacciata che abbiamo fatto oggi. Vedete? Un bel po'. Adesso andiamo alle voliere.